Rentraide, qui c'est regroupement national des travailleurs haïtiens en éducation, voulait positionner le jeudi à par rapport à rivé nouveau ministre éducation qui c'est Antoine Augustin, et nous voulait également pour demander ministre à premier ministre pour agir rapide sur ensemble dossier cap souffri dans le ministère. N'a demandé pour qu'il y ait une commission qui mette sous pied pour prendre doléance ensemble dossier qui a souffri dans le ministère à quelque temps. Nous connaissons très bien tout problème système éducatif là à connaître. Plus que nous connaissons Antoine Augustin, c'est un monde qui passait dans le ministère déjà et c'est un professeur à l'université et qui toujours, comme sociologue, qui toujours a posé problème. Nous battons bravo pour lui parce qu'il arrivait prend tête ministère ça à tout problème que nous connaissons. Mais nous profiter dit ministre Augustin faut être très prudent par rapport à ensemble des monde qui toujours kembe système nan nan meyo qui pas jamais d'accord que yo pas capable pour yo bay l'autre monde qui capable faire ça doit faire en dans système nan. Yon nan pi gros problème qui gagne en dans système nan. Gagne un paquet monde qui gagne 5 ans, qui gagne 10 ans, qui gagne 20 ans, qui gagne 25 ans, qui travaille à un seul titre. Yo pas jamais prend promotion. Or, yo dit qui gens ou capable bay moun promotion en dans système là. Je dis à par rapport à niveau inflation ça, ti monnaie salaire ti ben kilos moun y a touché ya, yo pas ka vivre avec. Et c'est raison ça n'a demandé faut yo pencher sur ça. Nous profiter moment ça pour exiger et me penser rentrer comme regroupement dans ministère là c'est une bagarre qui t'a motivé nous parce que nous estimé que un ministère que nous le ministère de l'éducation nationale qui loge dans environ yon vingtaine espace et chaque espace ça yo gen une génératrice pour qui alimenter yo donc nous pensons que ça coûte un coût et c'est ça que fait première bataille nous pral faire jodi a c'est bataille pour ministère annoncer l'espace, faut que ça suspende, mais je dis à li extrêmement important. Si y a combat corruption, faut qu'on bataille qui fait pour retirer ministère dans 21 ou bien 22 espaces que nous-mêmes nous terminer enquête que nous y est et nous gain montant comme yo, nous pensons que je dis à c'est premier bataille pour qui fait, c'est bataille pour ministère dans un seul espace. Décision ministre l'en prend par rapport à façon année l'école la boycotter dans mais yo et c'est de nouvelles matières que ont intégré dans niveau 9e année. Je pense que sont très bonnes décisions parce que ti moun yo pas de temps assimiler cours ça au bien nouvelles matières ça au très bien. Donc je pense que décision pour le retirer yo c'est une très bonne décision. Peut-être yo capable faire bonne préparation pour l'année prochaine mais année ça je pense que c'est une très bonne décision, le fait que le choisi retirer nouvelle matière ça et que Timounio toujours gagne note mais au pas composé et pour nouvelle matière ça qui ont été intégrés à Nissa dans examen officiel. Question livre unique là, donc je pense que c'est un projet de ministre Nesmi Maniga. Si un ensemble de techniciens qui pensent sur question ça, donc livre unique là pas de problème, mais c'est qui ça li gagne là-dedans. Qui ça li gen là-dedans comme élément, comme matière, comme bagage, comme c'est pour ti moun yo, nous t'a dit que nous mettons au niveau. Donc, je pense que ça, c'est des bagages qui revient directement à ministre éducation nationale là, à travers moun kap réfléchi, kap pense yo, pour yo, dans qui mesure yo capable aborder question ça, pour yo former même citoyen pour même pays ya. Le n'a demandé ti 4DB, n'a demandé ajustement ça, le, pas j'en gagne en fait. Pourtant, c'est des gros chefs en ministère qui toujours gen 4DB yo. Là, nous même nan rentrée, nous pas tolérer une situation comme ça encore. Rentrer d'a profiter moment ça tout pour demander ministre pour créer une commission. Commission a gain pour rôle pour lui al sur le terrain pour le garder pour voir qui problème qui gagne pour poser. C'est pas ministre seulement problème éducation. Conseil de directeur dans système, c'est malhonnête choyé. Gè de nèg jodi a là qui était directeur, qui chef service qui a changé chaque employé. Arrière a venir pas bailler le changer. Gè de directeur de chef service dans le ministère. Tout le monde connaît ce problème d'impunité qui est dans le pays, qui fait le pays pas avancer. Il y a des gens dans le ministère qui prennent un cob dans le ménage. Directeur, il y a un chef service qui prend un cob dans le ménage, dans le monde pour nommer petit.
quantité de directeurs de l'école privée qui perdent l'école, yo. Quantité de monde, par exemple, pour aller dans le ministère qui perdent l'école, aujourd'hui, il y a une humiliation devant le porte caille monde. Il faut que le premier ministre a dégagé un fonds à travers le budget à quoi il vient là pour voir comment il est capable de dédommager les gens. Au moins, pas dire pour qu'il y ait une reconstruction, non, au moins, il y a un côté de sa priorité. Il y a des employés ministériels aujourd'hui qui dorment dans la cour ministériel. Il y a des locaux ministériels, il y a des gens qui habitent là-dedans. Ou aujourd'hui, il est difficile sur un petit monde besoin de papier 9e. Il est difficile pour jouer aujourd'hui par rapport avec Jean ministère. Et même papier rétrofilo, par exemple, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont contacté nous pour nous voir comment nous sommes capables d'aider. Même nous-mêmes, il est difficile pour nous faire suivre parce que le ministère est un ministère écrasé. Nous avons demandé au ministre Antoine Augustin, avec tout le premier ministre, pour regarder comment. Dans le budget république, la République, pour voir comment on est capable d'ajuster le salaire employé.